Mais si nous utilisons la langue pour alors parler des situations des gens, je voudrais parler, m'adresser à certaines personnes. Chercher que ne pas être capable de maîtriser ta langue. Beaucoup de pasteurs peuvent périr à l'enfer. Parce que Bible est là, mais car la Bible dit que celui-là qui cache un péché ne prospérera plus. Mais celui-là qui les avoue et qui délaisse, ma miséricorde alors exercera. Vous et moi qui sommes là, Dieu n'indexe pas nos péchés. Il voit l'état de notre cœur, la soif de notre cœur et de la crainte de Dieu qui est en nous. Toi et moi qui prêchons ou qui écoutons et qui avons pris l'engagement d'obéir, personne n'a la vie éternelle. Mais Paul dit, pendant l'affliction, use de patience. Retiens-toi pendant l'affliction. Prends garde et ne murmure pas. Parce que si tu commences à murmurer, l'amertume va te faire quitter l'église. L'amertume va te faire quitter la présence de Dieu. Aucune personne atteinte, animée d'amertume, ne peut être conduite par Dieu. Ainsi, nous progressons. Jacques, le chapitre 2. Nous allons revenir et commencer au verset 26. Et la fois dernière, nous sommes limités à Abraham, mais aujourd'hui, nous allons continuer et progresser jusqu'à Rahab. Karmname, Jacques Yibon Pissi, c'est un Pissi la Yobe. Karmmen Soba, Fokabang Titi Balsanka la ramne Touma à Kanyor la. A Kassira Titonba Abraham Zem Sabtoum Yinga, Babson Dorlban Biga Isaac Tankoura Zugunaman Monga Bi. Nyam Nyam et Titi Tou de Nebam Touma, la Tibam Touma Pis de Bam Timbo. Woto, Kulso Song a ye si ye la Pama Pisgo. A Abraham Tien Wenam, la bamgel ranye teba watidlem la bola nye ti wenam zwa nyam nyam entine zemeda tu minga la ka tebin balie aka woto mene pour yor la rahab senzem sa tu minga nye sen sik ti gusurba on tumbam tu tu sora to wabi nyinga sankala ramne sira ayakun woto me teb sankala ramne tuma ayakun si sera retaye la wusko. Et en vérité, et pensons-y vraiment beaucoup. Et indique Teba no Yiba enkene la daken wobani. Et alors comparez et prenez les deux aspects de la foi et marchant sans avoir marché à un pied. Et tous les signes pila na sa zingwa. Et le verset 14 que nous avons commencé. Ton calme siga. Et que nous avons fait la lecture en descendant. Toum da yem ne zinbe. Il y a une œuvre qui a été faite. La toum kanga biye la me. Et cette œuvre là, il est dit. Tenir sa wayam neng. Et si quelqu'un vient vers vous. En vous disant qu'il n'a pas à manger et qu'il n'a pas à se vêtir. Et l'un d'entre vous lui dit, va alors et te nourris et pars te vêtir. Alors que vous pouvez lui donner ce qu'il a besoin et alors que vous ne l'avez pas fait. Ainsi, puisque vous ne l'avez pas fait, est-ce que ta foi est utile en ce moment? Et je dis, chaque jour, c'est celui-là qui écoute Dieu et qui obéit à Dieu et que Dieu l'utilise pour exaucer l'autre personne. Donc,
Cela veut dire que des gens vont venir à se manquer de vêtements. Et d'autres vont manquer de la nourriture. C'est que ici, alors, il n'y a pas, il ne fait pas aussi froid comme dans les pays européens. Sinon, si vous lisez dans le livre d'Exode, il est dit à cause de la dette, on peut venir prendre ton manteau. Et la loi de Moïse dit, et que si tu pars prendre la couverture d'une personne à cause de ce qu'il te doit quelque chose, alors tu dois tout faire que le soir, le soleil ne se couche pas avant que tu ne rendes alors à sa couverture. Alors, si tu ne remets pas sa couverture et jusqu'à ce que la fraîcheur l'atteigne et qu'il crie et qu'il fasse appel à Dieu, tu dois savoir que si tu ne restitues pas sa couverture là, alors la froid peut venir à le tuer. Et maintenant, si c'est à cause de la dette que tu prends le manteau ou la couverture de quelqu'un, et que cette personne est tuée par la fraîcheur, alors toi tu deviens un meurtrier. Donc là, tu fous, il y a beaucoup de cela veut dire un manteau ou bien la couverture est utile, très important au milieu d'Israël. Donc, ça y a auto. D'ailleurs, il y a boum si il y a problème, il y a boum si il y a yélé. Tu faut la solution. Bisonga tu vois la quoi. Donc, cela veut dire que la chose est tellement importante et que si tu détiens la solution entre ta main, tu dois pouvoir soutenir l'autre afin qu'il ne soit pas tué par la foule. Et ainsi, Jacques dit, alors si cette personne-là sont au milieu de vous, elle vient vous voir et vous dites, pars manger et bois et vêtis-toi alors que vous ne l'avez pas donné, cette foi-là, alors est-ce qu'elle est utile? Et tiens, t'as tout mis là, mais. Nous devons nous rappeler que je dis que le Saint-Esprit conduit tout un chacun. La semaine de Zanga, tu fais ça, quand vous ne vous êtes pas, vous ne pas, vous ne vous et que tout au long de la semaine, si tu n'as pas parlé à Dieu et que Dieu t'a parlé en te demandant de faire du bien ceci à telle personne, est-ce que tu dois te reposer la question si ta foi est vraiment au point? Donc, il y a un homme qui a été 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 un homme qui a Kayam Jenny, Yawenam Bobloya, Tibhawa, that team, Nere, Birika Man. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Alors, si le Saint-Esprit vous interpelle en disant de faire ceci ou cela, parce que ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné et il vous appelle à l'utiliser pour faire du bien. La semaine en l'eau, Miel, Miel, Tweme, Ti, Wumkanga Pouma, Yawano Kwemandarambe, à Jacques Nenimizan Kiradashuka. Et la semaine passée, alors j'ai eu à dire, il se pourrait qu'il y avait une discussion ou un débat entre ceux, l'auditoire qui écoutait et Jacques, qui voilà, donnait ses paroles. Verset puis sur Jacques Yelame, Père Meng Saba, Foka Bang, Tite Balsanka, Laramne Touma Kanyon, La Bouete Kabangyon. Au verset 20, il dit, ô homme vain, alors que la foi sans les œuvres est inutile. Et il dit, rappelle-toi qu'Abraham a offert des dons, des présents, des offrandes jusqu'à ce que Dieu lui demande de donner son unique fils. Frères et sœurs, il y a un jour pour eux, il y a un jour pour eux.
C'est un don qui n'était pas facile à donner, mais à cause de l'obéissance à la voix de Dieu, à cause de sa foi et de son amour pour Dieu, il a obéi et il a décidé d'offrir son fils à Dieu comme Dieu lui a demandé, et Dieu a prouvé son amour à travers lui. Il est devenu ami de Dieu et à cause de son obéissance. Mais maintenant, alors, il y a eu aussi des étrangers qui sont venus alors se la prostituer Rahab. Jéricho était une ville où la criminalité sévissait. Il y a des gens, des rebelles qui habitaient cette localité. Où la méchanceté sévissait dans cette ville-là. Et leur cœur était vraiment alors endurci au point qu'ils pouvaient faire du tort ou du mal. La Bible dit que Et voyez l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et de ce que Dieu ne trie personne. Quand les hommes de Dieu sont allés à Jéricho, je ne sais pas comment est-ce que cela est arrivé qu'elles aient jusqu'à rentrer dans la cour de la prostituée. Parce que Rahab parce que la cour, la maison de Rahab était un lieu impudique, un lieu d'impuricité et de prostitution. J'observe l'amour de Dieu qui se manifeste envers le pécheur en tout temps, désirant qu'il change. Et quand je refais la lecture, j'ai encore vu la masse de population qui suivait Jésus. Je voudrais que tous ceux-là qui sont là ce soir sachent qu'en Israël, un collecteur d'impôts, c'était un homme impie auquel personne ne voulait s'approcher. Est-ce que vous comprenez? Un collecteur d'impôts. Parce que, c'était des mauvaises personnes parce que la loi, ils ne les appliquaient pas seulement la loi, mais ils ajoutaient afin de pouvoir frauder, prendre avec d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est partout, même au Burkina. Les collecteurs d'impôts, c'était des hommes impies, méchants. Parce qu'ils violentait la population. Donc tellement la fraude était, faisait qu'on ne considérait même pas les collecteurs d'impôts comme des hommes de bien. Mais celui-là qui était haï, détesté partout, c'est celui que Jésus va aller descendre. Parce que tu vois, à Jésus, Jésus a vu Jaché. La Jaché. Et Jaché. Il y avait quelque chose d'imparfait qui était dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui entendait les nouvelles de Jésus. Que c'est le sauveur qui sauve alors du péché. Et la Bible dit que c'était un homme de petite taille. Et quand il a emprunté le chemin pour passer, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus à cause du pain. Beaucoup de personnes suivaient Jésus à cause de la guérison. Mais Jaché, lui, ce n'était pas ce qu'il voyait. Et Jaché avait soif d'une autre manière. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. On a dit qu'il a précédé devant. Et il est allé monter sur un figuier. Afin de pouvoir voir Jésus.
Et la population qui suivait. Et quand Jésus est arrivé sous le figure et qu'il passait, il a vu la foi d'une personne. Alors c'était comme si c'était du courant de l'électricité qu'il a pris. Jésus ne regardait pas la masse de personnes qu'il suivait. Il est ainsi du Luc à 15 qui nous parle. Et que si un seul brebis égarait, il laissait les 99 pour chercher l'une qui est égarée. Et Jésus, passant sous le figuier, il a prononcé le nom de Jassé. Et il a dit, descends plus vite. Car aujourd'hui, je descendrai chez toi. Et chaque jour, la miséricorde de Dieu rapproche de celui-là qui s'est égaré. Si tu as cette foi-là, Dieu va opérer. Donc, ainsi, Jésus est descendu sur lui. Des envoyés de Dieu aussi qui sont descendus à Jéricho. Ils sont allés descendre sur un prostitué. Frères et sœurs, vous voyez, l'amour de Dieu est pour celui-là qui s'attriste à cause de ses péchés. Et alors, et quand il marchait, voyait des gens qui arrivent. En disant, c'est ceux-là qui nous recherchons, ceux que tu as accueillis chez toi. Je désire ces gens-là. Et Rahab a fait de sorte pour les cacher. Et la Bible nous enseigne que c'est sous le toit que les a couverts avec de la paille. Et quand ils sont venus, et ce qu'ils désiraient, il a dit, c'est vrai qu'ils sont rentrés ici, mais ils ont emprunté une autre voie. Prenez cette voie-là, il se pourrait que vous allez les rencontrer. Et quand ils sont repartis, Rahab est monté pour les dire, je sais que le Seigneur vous donne la possession de Jéricho. Mais maintenant, au moment où vous viendrez pour conquérir, rappelez-vous de moi et de mon père et de ma mère, ainsi que toute ma famille. Et alors, ils ont répondu, en vérité, si tu ne nous montres pas, alors tout ce que tu désires là, nous allons t'accorder. Mais maintenant, fais de sorte que toute ta famille vienne. Et quand ils viendront, que personne ne sorte encore dehors. Parce que si quelqu'un d'autre sort, alors s'il sort là, alors et que quelque chose arrive, mais s'il reste dans la maison, et que quelque chose arrivait, alors cela retombera sur nous. Il a utilisé une corde pour les faire descendre à l'arrière, pour les faire partir. Et on a dit de mettre la corde à la fenêtre. Et on a dit que la corde qui était comme la cramoisie symbolisait le sang de Jésus. Et quand ils viendront pour détruire la ville, et quand ils verront alors la corde rouge, alors c'est cette maison-là sûrement qui sera épargnée. Voici une bonne œuvre qu'une prostituée a posée pour sauver la vie des gens, pour alors couvrir la honte d'une personne, afin que les méchants ne les atteignent pas. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des criminels, mais nos langues même arrivent à tuer. Nous ne pouvons pas contrôler la langue. Nous ne pouvons pas alors camoufler le problème de quelqu'un.
mais tous les actes que nous posons à travers la bouche, et si ce n'est pas pour sauver quelqu'un, si ce n'est pas pour mettre la vie d'une personne en règle, si ce ne sont pas des paroles pour communiquer la vie, et si ce n'est pas une vie pour pouvoir sauver une autre personne, et à travers la langue, et si nous ne pouvons pas sauver quelqu'un, et de parler de sorte que nous puissions sauver quelqu'un, et nous désirons seulement alors calomnier quelqu'un, pour détruire l'emploi de quelqu'un, détruire le foyer de quelqu'un ou une personne qu'on voudrait aider, et tu utilises ta langue pour détruire. Si tu utilises ta langue pour soutenir quelqu'un, afin qu'il sorte d'une situation, alors tu as accompli l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu. C'est la foi alors jumelée des œuvres. C'est vrai que tu crois en Dieu. Mais tu poses des actes, tu fais des œuvres. Tu poses des œuvres qui sont bonnes. Mais si nous utilisons la langue pour alors parler des situations des gens, je voudrais parler, m'adresser à certaines personnes et chercher que ne pas être capable de maîtriser ta langue. Beaucoup de pasteurs peuvent périr à l'enfer. Parce que la Bible dit que celui-là qui cache ses péchés ne prospérera pas. Mais celui-là qui les avoue et qui délaisse, ma miséricorde alors exercera. Et ça, c'est Proverbe 28:13. La deuxième chose, mais 1 Jean 9 nous dit. Et que si nous disons que nous ne commettons pas de péché, nous faisons Dieu un menteur. Et il n'y a pas de vérité en nous. Alors que si nous confessons, Dieu est juste. Et juste pour nous pardonner nos péchés et de nous laver et purifier de nos péchés. Esaïe 1:18 nous dit, venons, nous allons entretenir. Même si vos péchés sont alors rouges comme la carmine, je vais laver et purifier pour qu'elle devienne comme la laine. Même si le péché devenait rouge, elle sera comme de la laine. C'est ainsi qu'il est dit. Mais maintenant, alors, quelqu'un qui vient te confesser son péché entre lui et Dieu et toi, et nous les pasteurs, nous n'arrivons pas à maîtriser notre langue et nous commençons à le divulguer partout et sans même le couvrir, et nous commençons à le divulguer partout son problème, et d'autres même sont tellement diplômés dans cela, et il n'y a pas un problème dans un foyer ou une famille qui ne connaît pas, et d'autres même sont revêtus des esprits mauvais, et pendant que des gens sont en train de converser, le mauvais esprit va le pousser à venir penser son oreille pour écouter, et il va chercher à comprendre le fond du discours, et il ne comprendra pas, mais il va prendre cela pour divulguer. Et à cause de cela, plein de chrétiens, et alors ils s'éloignent de Dieu, ils sont incapables de confesser leur péché, alors qu'il n'y a aucun péché conformément à la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Le péché que tu vas commettre et que tu vas vers un pasteur, tu ouvres ta bouche, tu confesses, tu n'es plus un candidat de l'enfer. Et le livre de Proverbes nous enseigne,
que s'il le confesse et qu'il délaisse, ce n'est pas celui-là qui confesse mais qui progresse à le faire. Si tu confesses et tu abandonnes, la miséricorde de Dieu viendra sur ce péché et l'enlever entièrement. Donc l'enfer sera rempli de gens et du fait qu'il ne couvre pas le péché alors des uns et des autres. C'est vraiment très important dans la vie des pasteurs. Parce que Bible, la Bible dit que le jugement sera sévère. Parce que tu enseignes le peuple pendant que toi-même tu ne vis pas ce que tu enseignes. Et si nous lisons dans Romains le chapitre 2, nous allons voir Paul qui s'adresse aux chrétiens de Rome. Et toi qui enseignes de ne pas commettre cela alors que tu le fais. Ainsi, frères et sœurs, la prostituée Rahab a couvert la vie des gens. Il a épargné leur vie. Et il a accompli l'œuvre de Dieu en protégeant la vie des gens. Et la prostituée Rahab a été sauvée. Son père et sa mère furent sauvés. Et toute sa famille fut sauvée. Et tous ceux qui étaient dans la maison de Rahab en ce moment ont été sauvés. Alléluia. 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 Parce que tu sais, car elle a cru à la parole de Dieu. Elle a cru que Dieu est venu et elle voulait conquérir cette ville. Et elle croyait que le terre péchait et elle se repentait. Et si vous lisez dans l'évangile de Luc, la généalogie alors de Jésus quand on a relaté, dans Luc le chapitre 4, vous allez voir le nom de Rahab qui est cité, car Rahab fut maintenant la grand-mère de Jésus. La prostituée est issue, c'est-à-dire que Jésus est issu aussi de la femme. C'est ainsi que Nathanaël dit à Jésus. Nathanaël dit à Philippe plutôt. Ainsi, quelque chose de bon peut provenir de Nazareth. Vous et moi qui sommes là. Dieu n'indexe pas nos péchés. Il voit l'état de notre cœur, la soif de notre cœur. Et de la crainte de Dieu qui est en nous. Et toi et moi qui prêchons ou qui écoutons et qui avons pris l'engagement d'obéir, cette personne a la vie éternelle par la foi. La prostituée Rahab fut sauvée. Le fait qu'elle a épargné la vie des espions. Frères et sœurs, même si tu connais, tu es informé de la situation d'une personne. Et cela ne te concerne pas, ce n'est pas quelque chose qui va te détruire. Donc, use de pardon. Et puisque tu as vu, tu as constaté, garde-la pour toi. Sinon, le péché va rester en toi. Alors que la personne qui a accepté de confesser son péché, lui, il est délivré. C'est pour cela. Si la foi n'est pas accompagnée des œuvres, cela veut dire que si nous nous maîtrisons par rapport à la divulgation des problèmes, des situations des gens, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Mais si ta foi est accompagnée de bonnes œuvres, et si toi et moi nous allons alors poser ces actes-là, alors nous ne devons pas le faire avec paresse. Nous ne devons pas faire aussi avec nonchalance. Oui. Cela doit être notre vie quotidienne. Nous devons pratiquer cela. C'est-à-dire que nous vivons avec prudence. Alors nous sommes prudents avec les paroles qui sortent de nos bouches. Nous sommes prudents de ce que, après avoir donné et fait un don, nous n'allons pas divulguer cela. Alors
que la main droite ne sache pas ce que la main gauche a posé comme acte. Parce que les pharisiens n'ont pas handa tu connais le kuni. Car les pharisiens quand ils voulaient donner un don. Alors, ils vont sonner la trompette pour dire à tout le monde qu'ils veulent offrir quelque chose. Ce que les politiciens font, ils vont dans les meetings et ils donnent des choses pour que les gens voient. Que tous ceux-là qui vont, qui appellent les médias pour donner les présents et faire voir les gens, ce sont les pharisiens qui sont les trompettes. Afin que l'ensemble de la population sache que tel groupe, telle structure a amené ceci. Jésus dit que ceux-là, ils ont déjà obtenu leur récompense. Mais puisque tu as donné en cachette. Puisque le Père a vu l'œuvre que tu as accomplie en cachette, lui, il te récompensera pour cela. Cela ne veut pas dire qu'il y a certains dont on ne peut ne pas informer. Mais tu ne dois pas faire donner un don et tu désires qu'on sonne la trompette pour que tout le monde apprenne. Cela veut dire que tu ne dois pas faire en voulant que les gens te voient. Tu ne dois pas faire en voulant t'exposer aux yeux des gens. Et que les gens sachent que telle personne, l'habit qu'il porte là, c'est moi qui lui ai donné. C'est vrai que Jésus m'a guéri des gens. En disant alors qu'on ne parle point. Mais on n'a pas pu empêcher celui qui a reçu le présent de parler. Mais ce n'est pas Jésus qui leur a dit de parler. C'est celui-là qui reçoit l'offrande ou le don là qui divulgue cela. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez le sens du message? Celui-là qui a reçu là ne va pas se taire. Même si tu lui dis de ne point parler, il ne va pas se taire. Mais tu es toujours béni. Mais si c'est celui-là qui a donné, qui veut qu'on sonne la trompette. Si c'est celui-là qui a donné, qui veut le faire savoir à tout le monde. Jésus dit que cette personne-là a déjà reçu alors son récompense. Rahab a accompli une bonne œuvre en cachette. Et à cause de cela, on a imputé sa foi en justice. Alléluia. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, si la foi n'est pas accompagnée des œuvres, il dit qu'il est nul. Et lisons dans Romains 12. Il parle toujours des œufs. Amen. Amen. Voici alors ce que le verset termine en nous disant. Voici ce que Paul recommande aux Romains. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Le message dit que la charité soit sans hypocrisie dans votre cœur. Maintenant, tout ce qui est mal, haïssez cela. Et tout ce qui est bien, attachez-vous fortement. Et il dit, aimez-vous d'un amour fraternel. Et soyez plein d'affection.
Et cette œuvre-là, alors faites ça avec ferveur. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Que l'amour soit sans hypocrisie, ça même c'est déjà une œuvre. La foi doit être accompagnée par cette œuvre-là. Car l'amour est la base de toute chose. Dans 1 Pierre, il nous enseigne cela. L'amour. Elle couvre une multitude de péchés. L'amour. Elle dit qu'il y a trois choses qui ne passent point. C'est la foi. Et l'espérance. Et l'amour. Et parmi ces trois. Alors celui qui est le plus grand, c'est l'amour. Et on dit que tout chrétien, qu'il est l'amour sans hypocrisie. Il dit haïssez ce qui est mauvais. Et retenez fortement ce qui est bien. Bien. Il dit, aimez-vous d'un amour fraternel. Il dit, avec affection. Maintenant, cette œuvre-là, faite avec persévérance. Ne faites pas avec nonchalance. Ainsi est-ce que le peuple de Dieu est dit, si tu es chrétien, tu dois savoir que l'amour, c'est une œuvre que tu dois. Et tu dois lutter. Et l'amour, pour avoir l'amour, il faut que tu forces. Jésus nous recommande à aimer nos ennemis. Au moins que tu arrives à accomplir cela. C'est difficile pour l'être humain de pouvoir aimer son ennemi. Mais si tu es chrétien, tu dois savoir que cet amour-là doit être une œuvre. Maintenant, si tu ne le fais pas avec persévérance, ne dis pas que tu aimes quelqu'un et les saints te haïssent. Tu fais du bien, les saints te rétribuent avec le mal. Et dis que ne t'amuse pas à le faire avec nonchalance. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ce qui est mal ailleurs, ce qui est bien, retenez fortement. Maintenant, avec affection. Mais cette œuvre-là, faites-le avec persévérance. Cette œuvre-là, on ne le fait pas avec nonchalance. C'est chaque fois avec persévérance. Et ça dit que chaque jour que Dieu fait, quelqu'un va te faire du tort. Chaque jour, tu verras ton ennemi. Mais l'amour est une œuvre que tu dois accomplir. Il doit accompagner avec ta foi. Maintenant, si tu es chrétien, que l'amour soit sans qu'il y ait hypocrisie. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est mal, ayez en horreur. Maintenant, ce qui est bien, retenez sa fortement. Que le peuple de Dieu écoute la parole du Dieu vivant. C'est la base de notre foi. Car c'est avec amour que Dieu est venu sur terre. C'est avec amour que Dieu s'est incarné en l'être humain. C'est avec amour qu'il est monté à la croix. L'homme qui est égaré, c'est l'amour de Dieu qu'il a recherché. Elle dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui qui croira en lui, on a dit qu'il ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. L'amour, la puissance de l'amour de Dieu. Il retient toujours cet amour-là pour les pécheurs. Tous ceux qui vivent toujours dans le péché. Même ma personne. Ainsi que vous tous qui sommes là. Le péché que nous continuons à vivre, à pratiquer. Parce que si un chrétien commet le péché, l'auteur du livre de Hébreux dit que nous crucifiant encore Jésus. Mais l'amour de Dieu continue à nous attendre. Il attend toi et moi notre repentance. Et si cet amour n'existe pas, nous serions morts. Voyez le cœur de l'être humain. S'il est quelqu'un, il désire même sa mort. C'est pour cela que
Beaucoup de gens, s'ils portent la haine contre quelqu'un, ils payent même des gens. Envers qu'ils aillent même le tuer. D'autres même vont mettre du poison dans sa nourriture ou dans ce qu'il boit. D'autres même, c'est avec un couteau qu'ils vont le poignarder. Un être humain, s'il est l'autrui, c'est ce qu'il fait. Mais vous et moi, puisque nous sommes pas criminel. Personne ici ne peut haïr quelqu'un. Voulant même qu'il soit bien. Si nous arrivons que la personne est atteinte par un problème, nous nous réjouissons de ce qu'il vit une situation difficile. Parce que notre ennemi est atteint d'une situation difficile. Mais puisqu'il m'a causé du tort, c'est à cause de ça qu'il est frappé. Il a dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ce qui est mauvais, mal ayant honoré, ce qui est bien, attache-la. Et puisque nous sommes ensemble, nous devons avec affection nous honorer. Puisque nous sommes ensemble, que chacun chasse à porter l'affection envers l'autre. Il dit que cette œuvre-là, nous ne le fait pas avec nos salanges. Est-ce que vous comprenez? Si nous voulons être des chrétiens authentiques, c'est ainsi que la Bible nous enseigne. Il continue en disant, au verset 12, réjouissez-vous en espérance. Il ajoute encore, et il dit, soyez patient dans l'affliction. Ayez de la patience dans l'affliction. C'est-à-dire que si tu vis dans l'affliction, dans les douleurs, eu de patience, il y a d'autres qui vivent vraiment dans le tourment. Et ils commencent à murmurer contre Dieu. Et ils murmurent même contre les gens. C'est ainsi que, alors, Exode 15, les gens commis. Moïse est sorti avec le peuple d'Israël. Sur le chemin, les gens traversaient alors des moments difficiles. Et il y a un lieu on appelait Mara. Et quand ils sont arrivés là-bas, et là, ce n'est pas comme ils ont commencé à se comporter comme si ce n'était pas Dieu qui les a libérés. Quand ils sont sortis, arrivés à Mara, c'est-à-dire que c'est comme si ce n'était pas Dieu qui les a fait sortir pour les amener là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ils sont arrivés là-bas, l'eau était amère, ils étaient incapables de boire. Et la Bible dit qu'ils ont commencé alors à murmurer contre Moïse. Et quand ils murmuraient contre Moïse, Moïse est monté alors à prier. Et quand Moïse a prié, Dieu a montré à Moïse un arbre. Et il allait couper une branche. Il est venu mettre dans l'eau. Et la branche a enlevé l'amertume qui était dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Est-ce que vous comprenez? Et l'eau est devenue douce. Et le peuple a commencé à boire. Mais ceux-là qui ont commencé à murmurer, Dieu ne leur a pas donné aucune vision. C'est celui-là qui a prié, qui a obtenu une vision. Et Paul dit, use de patience et dans l'affliction. Et si vous êtes dans une situation et que vous empruntez la voie de prière, mais ne commencez pas à accuser les autres. Alors, si l'un d'entre nous est atteint d'une situation et que c'est difficile vraiment pour lui, Paul dit, alors qu'il fasse ce qui est possible pour avoir de la patience dans l'affliction. Alors, si tu te mets en colère, si tu te laisses envahir par l'amertume ne va pas te conduire sur une bonne voie. La colère va te conduire dans la destruction. La colère ne pourra
pourras aucun, jamais arranger ta vie. Ta Paul Yélia, et Paul dit, Tosamawaya, pendant l'affliction, Pamsumare, use de patience, retiens-toi pendant l'affliction, prends garde et ne murmure pas. Parce que si tu commences à murmurer, l'amertume va te faire quitter l'église. L'amertume va te faire quitter la présence de Dieu. Aucune personne atteinte, animée d'amertume ne peut être conduite par Dieu. Il a dit, résous-toi avec l'espérance que toi et moi nous avons. Tu crois que Christ est mort, qu'il est ressuscité. Ainsi que toi et moi nous croyons que si nous mourons, nous allons revivre. Maintenant, dans l'affliction, eu de patience. Car quand Christ était dans l'affliction, il a usé de patience. Il était dans l'affliction, mais il a usé de patience. Et quand Jésus, les gens crassaient sur lui, c'était vraiment des mépris. Et dans ce mépris-là, c'est que Jésus a usé de patience. Alors, quand on le battait et il était dans l'affliction, mais il a usé de patience. Mais quand Jésus partait, il nous a dit, alors ce qu'on l'a fait subir, nous aussi nous allons passer par ça. Et Paul dit maintenant, quand nous serions dans l'affliction, dans la douleur, alors use de patience. Et retiens l'espérance. Parce que la douleur ou l'affliction ne peut pas amener Dieu à t'abandonner. Maintenant, c'est ta colère et l'amertume qui va te conduire à être délaissé de Dieu. La Bible nous enseigne, ne tue point. Et Jésus dit, que si quelqu'un se met en colère contre son prochain, il est déjà un criminel. Ainsi, prenons garde. Alors, par rapport aux situations que nous vivons ici-bas, les gens se flattent. Alors, il dit, venez dans la foi, c'est la paix. Alors, il n'y a pas de problème, vous allez vivre dans le bonheur. C'est quand tu viendras au milieu de nous que tu sauras qu'il y a des problèmes. C'est pour cela que d'autres ont abandonné. Parce que alors quand ils sont venus et croyaient, alors ils ont venu trouver que c'est différent. Car Dieu ne nous a pas fait quitter ce monde. Dans Jean 17, Jésus n'a pas dit de nous faire quitter ce monde. Jésus a prié en disant, elle dit que je quitte ce monde-là et je viens vers toi, Père. Mais je ne prie pas pour que tu les fasses quitter ce monde. Mais je te prie pour que tu les aides. Afin que le méchant ne les arrive pas. Prie et retiens-toi fermement. Afin que le malin ne te triomphe pas. Afin que le malin ne te trompe pas. Jésus n'a pas prié, demandé à ce qu'on. Mais il a prié que Dieu m'aide, toi et moi, afin que le malin qui est dans ce monde-là ne nous triomphe pas. Parce qu'on appelle le diable prince de ce monde. Et Jésus dit qu'il n'a rien en lui. Et Jésus a payé la dette que toi et moi nous avons. Et si toi et moi nous devons rien au diable, parce que Christ est venu, il a payé le prix. Et mais puisqu'il a payé, alors moi je m'adosse à l'amour de Jésus. Je m'adosse à la miséricorde de Jésus. Je continue à me sanctifier en disant que je suis faible. Et Christ qui est le numéro 1 et vient, il comble ma vie. C'est ainsi avec Christ que toi et moi nous sommes quelque chose. C'est pour cela que Paul nous exhorte à ne pas le faire avec le Seigneur. Mais quand nous sommes dans l'humanité, à chaque fois nous devons savoir que nous sommes dans l'humanité. Et alors, ce qui concerne qu'il est dans l'humanité, et il n'est pas en dehors de sud, il doit rester ferme, aimer les frères avec un amour profond. Mais dans l'affliction, alors ne commet point le péché. Alléluia. Alléluia. Il continue. Verset 13 plutôt. Bi pour ndabaye
Il dit prier sans cesse. Priez sans cesse. Il dit soutenez alors les frères qui désirent être soutenus. La man samba sandu. Il dit usez de l'hospitalité envers les étrangers. Vous voyez. Premièrement, Biman suma to point. Il dit ayez de la persévérance dans l'affliction. La kengatora yele. Il continue en disant. Il dit priez sans cesse. Kuim katuela. Ça dit que alors celui-là qui est paresseux il ne pourra pas arriver. Ceux-là qui aiment tellement dormir ne vont pas se lever pour prier à cause de problème. Celui-là qui aime tellement leur corps quand Dieu s'adresse à lui. Puisque la Bible nous enseigne à prier sans cesse. Il dit de prier, prier sans cesse. La Bible son neba. Il dit de pourvoir. La Bible son neba. Pourvoir aux besoins. Neba. Et pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. Au moment où ils ont besoin d'être soutenus, il dit pourvoyez à leurs besoins. Est-ce que vous comprenez l'œuvre encore dont il est question? Il est encore une œuvre. Alors, prie sans cesse. Il dit de pourvoir aux besoins des saints. Et de user de l'hospitalité envers les étrangers. C'est ce que alors, Rahab la prostituée a fait en usant d'hospitalité. L'autre aussi a usé d'hospitalité. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe étaient détruits pendant qu'il était sauvé. Abraham aussi a usé d'hospitalité. Et entrant, on a dit que l'an prochain, pareil, alors nous reviendrons. Et ainsi, la stérile aura un enfant. Et il a un ainsi aussi. Quand il a reçu Élie en usant d'hospitalité. Alors, quand elle était stérile, elle a eu un enfant. Et malgré que le diable est venu frapper la femme, Élie encore est venu rentrer et la vie. Il a ainsi pour nous aussi. Dorcas a usé d'hospitalité. Il soutient les veuves et les orphelins. Le diable est venu frapper à mort. Pourquoi pas boire la pierre? Et alors les veuves ont fait appel à Pierre. Et Pierre est arrivé là, dit Tabitha. Tabitha. Kumi. Kumi, lève-toi et marche. Et car ton œuvre n'est pas encore finie. Mes frères et sœurs, écoutez la parole du Dieu vivant. Obéissez au Dieu vivant. Et faites comme la parole de Dieu dit. Ce que le Fils vous recommande, faites-le. Sur la parole de Dieu est vivant. La parole de Dieu est puissante. Celui-là qui s'attache à la parole de Dieu, il saura que Dieu existe. Et Dieu est vivant. Et Dieu sauve dans l'affliction. Alléluia. Alléluia. Oh, come to me, God. Alléluia. Mes frères et sœurs, obéissons à Dieu. Faisons comme ce qu'il a dit. Faisons comme le message nous dit. Faisons comme le message. Et faisons ce qu'il nous dit de faire. Usons d'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Ne méprisez personne. Ne négligez personne. Soutenez les saints qui ont besoin d'être soutenus. La Bible qui nous enseigne. Si les saints ont besoin, ils ont des besoins, soutenez-les. Comme nous l'avons dit la dernière fois. Amenez de l'argent, nous allons donner à une fille pour qu'elle puisse faire une intervention. Vous avez pourvu. Alors l'intervention a été. Alors la fille est vivante. Soutenez les saints qui ont besoin d'être soutenus. Si on voudrait dire de faire, faites-le. Car ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et sachez que Christ est Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.